Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur du Path of Titan après une journée Fortnite. On se retrouve avec les dinos. Eh bien, bonjour. Alors, hop, on est en Torvosaur. Salut. Ah, bah oui, oui forcément. Bah oui. On avait des co au même endroit. On a pas attendu la fin. Ah, on allait vers Grande Plaine. Oui. On n'était pas tout seul ce jour-là. On était deux. On était trois. Mais je sais plus avec qui on était. T'es sûr qu'on était trois? Ouais, parce qu'on voulait aller parler, manger un truc, le carcasse. Peut-être White, non? Chasse. Peut-être, ouais. Peut-être, hein. On va juste attendre que Adio puisse se connecter. On va le monter. Ouais, il vaut le coup, hein. Alors te trompe pas, hein. Prends celui de Primordial Tyran, prends pas l'autre. Hein. Ils ont laissé les deux. Hein. Donc prends pas l'ancien, hein. Prends celui de péter le nouveau. Hein. Un plus quasiment. Pour plus accepter. Ouais, un certain qui les retire. C'est des skins. Je t'avoue que je joue beaucoup de dino modé donc. Ça c'est pas un truc qui est uniquement sur les Ophi. Je crois qu'on peut l'utiliser maintenant. Parce qu'on en a buté, Melio. Hein. Le petit. Le T-Rex? Ouais, le Rex Sophie, on l'a revu, ils l'ont remis. Ils ont remis un peu. Mais on en voit très très peu, hein. C'est rare. J'en ai croisé que un bébé qu'on a tué, justement en Torvo, et on avait croisé un adulte. Mais sinon, on croise que du Rex pété, hein. Bah, il est beaucoup mieux. Visuellement, déjà, c'est un Rex. C'est pas un truc gogol comme l'autre. Tu vois, Alderaan fait beaucoup de refontes de dinos. Apparemment, là, on a eu le Kentro. C'est ça la mise à jour, entre autres. Il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Mais il y aurait eu le Kentro. Mais il serait temps de faire une très très grosse refonte pour le Rex. Ouais. Franchement, ils me font une refonte stylée du Rex qu'ils ont. Bah, en tout cas, réaliste. Franchement, je le kifferais. Avant, je kiffais le Rex, il n'y avait que lui. Tu vois? Salut Noah, bienvenue sur la chaîne. Bien sûr que je kiffais le Rex Sophie. Mais parce que c'était un Rex, puis avec celui-là. Mais maintenant qu'il y a depuis qu'il y a le pété, wow, franchement, il a pris une grosse claque dans sa gueule. Hein, le Rex de Alderaan. Hein. Et merci pour le follow. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Hein. On sort d'une journée Fortnite. Et là, on finit la journée live sur POT. En Torvo. J'ai failli me faire la touche. Bah écoute bien, et toi? T'adores le jeu? Moi aussi. Moi aussi. Je kiffe l'univers des dinos, donc j'adore ce jeu. Prior Extinction sur Roblox aussi, que je fais en live. Excellent ce jeu. Et nous, console, on a un autre jeu qui viendra, mais il faudra être très patient.
Non, c'est pas. Je me lève pas. Je me lève pas. C'est ma manette. Ouais, j'ai Joy-Con Drift alors. C'est Orania 1 le serveur. Oh. J'ai même pas préparé mes affaires, oh, c'est pas grave. Bon, de toute façon, on joue quoi? Une petite heure? Petite heure et quart? Pas Tu nous grave. dis, hein, adieu au quantier, hein. Avec des pépites. De quoi? Pipiou. Ah oui. Non, j'étais pas en tressé, j'étais en Serato. C'était un Serato, oui, je m'étais assis sur un compi, je l'avais tué. Mais j'ai un gros doute que c'est en m'asseyant dessus que je l'ai tué, hein. Finalement, il n'y a pas ce genre de dégâts dans Patoff. Je pense qu'il a dû se faire tuer et il a glissé sous mon cul. Il est rentré dedans. On rigole. Une grosse chance, mais Bien sûr, respirer à la fin. Non, j'essaye de suivre les infos sur les jeux, les modes qui sont à venir. On attend des modes, hein, toujours, hein, sur POT. Il y en a qui sont plutôt prêts. L'Allosaur. On aurait le Ouais. Diplodocus. Il y a le Pachyrhinosaurus aussi qu'on attend. Ouais. Le Karcha qu'on attend. Et les autres, par contre, les autres, je les connais pas. Il y en a beaucoup, c'est des surprises, mais ceux-là, je sais que. Et le Triceratops, j'allais oublier. Le Triceratops apparemment est en test. Ah, si on a soif, on a l'eau juste en bas. Hein. Oui, j'essaye de laver tous les jours. Après, POT, peut-être pas tous les jours. Là, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait du Prior Extinction. Après toute la journée, là, très 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 longtemps, on a fait que du Fortnite. Bon, on en a fait énormément même aujourd'hui. Et là, on vient tout juste d'arrêter Fortnite et on vient tout juste de commencer POT. Mais Ouais, ça c'est j'essaye de important. faire POT régulièrement. Après, j'ai beaucoup de jeux, hein. J'ai du Flight Simulator sur la chaîne, on a du F1 24. Là, il y a Star Wars Outlaw qui va arriver fin du mois. La semaine prochaine, moi, je suis pas là pendant une semaine et demie. Puis là, jusqu'à Noël, j'ai quasiment un à deux jeux par mois qui vont arriver. Dont un jeu de survie stratégie animalier qui s'appelle Fourmi. On t'incarne une fourmi et c'est sur Unreal Engine 5 et ça, croyez-moi, je vais le prendre. Tu vas faire une vie de fourmi? Ouais, mais le jeu, il est ouf. Franchement, le jeu, il est ouf. J'ai partagé des trailers sur le Discord, hein. Je vais voir ça après. En fait, c'est un jeu, t'es à hauteur de fourmi, c'est sous Unreal Engine 5, et tu dois emmener ta colonie à la survie. Donc, t'as un côté Ouais. stratégique où tu peux commander tes troupes, c'est magnifique. T'es encore en téléchargement On vient, Ouais, adieu, j'ai on eu va mon chargement. bien milieu, ouais, je sais, on va essayer de chasser un petit truc. Allez. Bah, on va peut-être pas chasser tout de suite. Oh, tu vois rien, je sais pas trop du coup. Eh, franchement, si YouTube me strike Path of Titan, depuis le temps que j'y joue, depuis qu'il est sorti sur console, j'y joue, hein, c'est quoi, ça fait 2 ans. Franchement, il y a un problème sur Twitch. Ah, bon, je veux pas nager, hein, c'est la manette qui veut pas que je bois. Arrête, arrête. J'aurais dû passer sur Xbox, je suis trop bête. Arrête. Ah mais bon. C'est le Joy-Con Rift, ça me pète les couilles, hein. Regarde le temps que je perds pour boire. Et les deux manettes que j'ai sont mortes. Et celle-là, c'est la moins morte, alors bon. T'es en train de plonger, Amélio, en fait. Ouais, je suis qui perd ma meilleure vie là. En tout cas, si c'est des poissons.
Ouais. Comme des DNO ou des mosasaures, tu vois, je l'attrape et je les mets dans sur terre. Oh bah s'il y avait un Moza, putain, je partirais là. Je prends pas la queue et je le jette. Et lui qui va nous choper, va nous emmener. Bon, Multi-slip allez par bien, de l'eau. grande plaine, on va aller voir ce qui se passe. Je vais disparaître dans l'eau. Personne ne me verra plus. Ça a l'air calme, on n'entend pas de cris donc. C'est trop calme à mon goût. On va en profiter, on a un dino rapide, on n'est pas le Rex. T'as pareil, hein, je suis tellement habitué à Prairie Extinction que je regarde sur le côté Oui. l'heure qu'il est. Tu vois, pour me dire quand est-ce que le soleil Moi se lève ou pas, mais putain, il n'y a pas l'heure. j'ai essayé de ticher les boutons sur mon Ah bouton ouais, mais affiche. putain. Sur Prior, il y a l'heure à côté, tu vois. C'est la température aussi quand t'as pas. Ouais. Ouais, mais pas top, tu vois, je regarde, je suis habitué que la température, on s'en fout. Mais l'heure, tu vois, c'est un truc que je regarde très souvent. Il y a un conca là-bas. Il y a Et un il y conca sur quoi? Il y a un a un... C'est ténoton. quoi ça? Mais Ténoton. putain, mais je fais... Je fais que de me faire mal. C'est quoi le gros truc qui est là-bas? C'est un karcha ou... Ça ressemble à un karcha, c'est un karcha. Putain. Karcha, ouais. Ouah, il y a des herbis là. Il y a un... Durex. Durex devant. Dark. Où Durex ça? devant. Devant. Oh T'es putain! devant, toi. On se casse. Ouais, les Allez. Ténontos, ils vont croire qu'on les chasse. Les Ténontos, c'est trop rapide, hein. J'ai su tout, mais je suis que ça va faire mal. Non, on va rien faire, vas-y. Calmez-vous, calmez-vous, les Ténontos, calmez-vous. Ouais, alors Suko, il peut faire mal, mais Oui, on est mais deux, c'est une hein. attaque de. On m'a fait quand même très mal. Hein. Avec son coup de griffe, chaque fois qu'il touche, il fait plus de dégâts. Suko. Oui, bien c'est comme ça. Ouais, mais les seuls. Ouais, je vais pas le chasser, hein. Non, Attends, mais il y a un autre truc allongé à côté de lui, mais ils sont deux. ah oui. Il est pas mort le truc allongé par terre, Non, hein. non, 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 il a non jeu. Ouais, ils sont deux. Voilà, ça change tout. Il est en crunch ou il est allongé? Il était en crunch. Qui se calme, hein. Je regarde si j'ai pas d'effet mouillé, j'ai pas fait d'effet mouillé. Parce que si on est mouillé, je crois qu'ils te font plus Ouais. de dégâts, eux. Ouais, 20%. Pas au 10. Non, ils bougent pas, ils sont restés en buisson là-bas. Putain, il y a un argent. Et y'a là les herbis là-bas. Je me disais bien qu'il est passé. Quoi? Je l'entends pas, hein. Ouais, va. Voilà. Le Karcha est là-bas. Mais il est en train de faire un terrier, le Karcha. Il y a un Oui. trike. C'est lequel? C'est le modé celui-là. T'as le maudit, ouais. Il est seul. Enfin, il est seul. Ouais, mais il y a le Je tapé pense qu'il est là. regroupé avec le para. Ouais. Il n'y a rien d'autre taille, hein. Salut Toutra! Putain, Toutra, il vient que quand on joue à Patoff. Il loupe nos games de Prior. Oui, c'est le Torvo celui-là. C'est le Torvo de Primordial Tyran, donc les modders. Hein. Ce qu'on fait le Rex, que t'as déjà vu. Parce qu'il y a deux Torvos, mais celui-là est magnifique. C'est le dernier qui est sorti avec la pato. Très très bien ce Torvo. Ah, il pleut.
Ah, tout a priori extinction, j'ai dû mettre 70 balles depuis que j'y joue. Hein. Mais là, ça y est, je veux arrêter de mettre de l'argent, je veux monter l'ambre en jouant. Non, je l'ai fait le soir des fois, ça arrive. En fait, il n'y a pas de... Vu que j'en ai fait un ce matin, de prior, et qu'hier soir, on en a fait un toute la soirée, je crois. Oui. Yeah, et qu'on a été énormément sur Fortnite aujourd'hui. Bah, toute la journée, quasiment. Bah, je me dis, bah, beaucoup de prior hier, prior ce matin, Fortnite beaucoup, bah, on repart un peu sur Patoff. Histoire de ne changer un peu. Ouais, il y a une chasse, là, Alioramus Pachi. Mort. Ouais. Ouais, il a mal, le Pachi, il a sauté dans les... Dans les rochers, tu m'étonnes, il s'est fait stopper de ouf. T'en es où? Ouh. T'as entendu? Je suis quoi? C'est un accro, ça. Ouais, c'est un accro, il est là-bas. Oui, ça change, c'est ouf. C'est de ouf. Il est seul ou pas? Oui, mais il s'est attaqué. Par l'oiseau. Il s'est fait attaquer par l'oiseau. Ouais, mais le piaf, il s'est barré, le piaf. Ouais, il est toujours là. C'est un autre. Non, mais il attaque autre chose, le piaf. L'accro? Oui, moi je te parle du sucho en bas. Ah. On le chasse? Allez, go. Il va dans l'eau forcément. À la mouette qui se fout de notre gueule. Ah, le fumier est parti. Pareil, hein, il n'y a rien dans la zone hein, pour nous. Hein. C'est quoi le truc? Oh, regarde. Le petit truc sur le rocher là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le... Ouais, je sais... Ah bah, ils ont mis le dino. Attends, c'est le... Comment il s'appelle? Le tout moche, là, horrible. Ah, oui, 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 oui. Ah, ils l'ont mis, maintenant. Ah, on le chasse? C'est intéressant. C'est rapide, hein. Ça? Oui, très rapide. Mais c'est quoi comme dino? C'est, Comment il s'appelle? Le crypto? Non, le crypto. Non, non, c'est un mode qu'on n'a jamais eu dans le serveur. Bah attends, quel mode on n'a jamais eu dans le serveur en dino? Il me dit rien celui-là, mec, hein. Bah si, je l'ai déjà eu dans les... Bah il court vite, ce con. Oui, ça court vite. En fait, non, ça... c'est pas le maîtri, Toutra. Non, non, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, ouais, je peux le voir, hein. Je vais voir maintenant. Bah... C'était sûr que c'est pas un bébé crypto. Non, 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 c'est pas un crypto. Je viens de voir son skin, je le connais bien. C'est un carni? C'est un carnivore, oui. C'est un petit carni. Ouais. Ouais, de ouf, de ouf. Non, le crypto, il est vraiment horrible. Il a une toute petite, un tout... Ah bah, il a un petit aussi là, quoi. C'est quoi comme dino? Je sais pas comment il s'appelle. Nan. Ouah, ça fait que de gueuler, mec, je sais pas où c'est. C'est les accros, c'est en face. Ah oui, y'a bébé accro. Ils sont jeunes, hein. Oh, mais pourquoi ça va faire mal? Ils sont jeunes les deux, ouais. Ouais, tu te souviens que l'accro, ça nous avait fait très mal? Ouais. Après, si on tue le bébé, fin de fight, hein. Moi, j'ai faim, hein. Ouais, vas-y. La chasse l'autre fois Toutra en Rex, elle a fini bien. Voilà, duré que 3. Quoi, 3 quarts d'heure la chasse? On la chasse? Ils sont pas en chasse, hein. En chasse? Ok. Wouah! C'est petit. Ouais, le petit, il est sûrement l'adulte. Ah, il faut pas gêner, faut pas gêner.
je prends trop cher. Je loupe le petit. Ah, le petit est chiant. Oh le bâtard, hein, l'autre. Le petit m'a pas vu, il vient sur moi, le petit. Oh putain. Ah, tu le mords bien, le petit. J'y vais. Vas-y. Mort. Putain, coupe le saignement. Il n'avait pas vu le petit. Okay. Merci Toutra. On a bouffé. Bah on a tué le petit. Le petit, le plus gros, il était plus chaud. Même s'il n'est pas adulte, mais c'est plus chaud. Le petit va nous apporter assez de bouffe là. Le premier mandat tyran. Faut que tu regardes le dev, normalement c'est marqué. Ah, en skin, en visuel. Après tu prends celui que tu veux. Hein. Moi je prends toujours les plus gras, les plus gros moi. Pourquoi je fais ça touche ? L'acro, c'est ma mort ce truc. Ouais de ouf, mais c'est un jeune hein, l'acro qui est là devant. C'est un petit, à mon avis c'est un ado même l'acro qui est là-bas. Parce que vu comment elle est gros, l'accro là-bas faisait notre taille. Oh, il y a un stego là-bas. Bon, ça, le stego, ça nous dérouille. Le torvo, le problème, c'est qu'on se joue à 3 maximum. Bon, s'il a les yeux rouges, Melio, c'est une aptitude qu'il a, c'est le berserker. Et ça veut dire que quand il a plus beaucoup de vie, son dino crache un peu. Enfin, on rejette de la fumée des narines et puis a les yeux rouges. Donc il fait beaucoup plus de dégâts. Bah il se fait encore attaquer l'accro. Hein. T'es pas quand même en chargement encore Adio. Non, il est pas. Ah. Bon. Eh ben, il en a fallu peu, hein. Putain, première chasse, ça a été chaud, hein. Ah, je lui ai mis la grosse morsure au petit là, j'ai voulu le finir vite. Hein. On est couvert par la pluie. L'accro, ouais. Et pourtant, on court vite, hein, le torvo, mais il y a quand même pas mal de choses qui courent quand même assez vite par rapport à nous. Après, l'accro, il court vite. Oui. Il nous a failli. Ouais. Ah, par contre, lui là, le petit là qui vient de passer derrière, je me demande vraiment ce que c'est comme dino. Il est adulte là? Ouais. Mec, j'ai jamais vu ce dino. Bah il est derrière nous, regarde. Eh oui. Non, il est pas adulte lui. Pas encore adulte. C'est pas un crypto. Monte ta tête. Mais c'est quoi? Je l'ai jamais vu mec hein. Moi j'ai déjà vu. J'ai déjà vu dans les modes. Tu sais que je le connais pas? Sérieux? Non. Mais c'est un truc qui existe? Oui, c'est un mode, hein. C'est créateur, c'est je sais pas où c'est lequel. C'est un dino qui fait coup de tête, comme un pachy mais en carnu. Ça fait très mal. Attends, mais ça se trouve c'est un mode que je n'ai jamais vu. C'est pas possible. Il est du pachy. Non, il a pas de plume, non. Non, ça a que des écailles. Allez viens, je vais te montrer ça. Ah, il n'a plus la carcasse. Oui. On va se déco. Je vais te montrer. Attendez, on va aller le voir. Le dino, je suis obligé de me déco. J'ai envie de le voir, ce dino. Je sais pas du tout, Toutra. Je sais pas. Moi, j'avais joué. Mais surtout, en le voyant, je vais dire, mais oui, c'est lui. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu sur Oranea, ce dino. Jamais. Non, c'est la toute première fois.
Même moi je suis choqué. Ils l'ont mis. De toute façon là ils ont mis pas mal de dinos. Ils ont mis le giga. Ils ont mis le vieux giga. Oui, ils ont. J'ai vu Noah, t'as rejoint le Discord, merci. Et tu n'hésites giga... pas à rejoindre le Discord si tu veux. Ça c'est le giga handicapé comme tu dis là. Ah bah ouais, ce giga là il est horrible, il a. Ils l'ont mis dans le mais serveur. normalement vu qu'ils l'ont remis dans le serveur, dans ma liste de dinos à choisir, il y est parce que je l'avais fait quand il était sorti ce mode, ce giga. Donc je l'ai adulte. Mais il est nul. On va y voir ça. On va reprendre les torvaux hein, les amis hein. Je veux juste voir c'est quoi ce dino. Tiens, regardez, on va regarder le giga. Ah bah tiens. Il est là le giga que je vous parle. Voilà. Il est pas horrible ce giga, je trouve que ces tibias sont tout petits. La crypto. Mais putain, mais t'es sérieux? J'arrête pas de dire le crypto, tu me dis non, c'est pas le crypto. Tu te fous de ma gueule? J'ai pas vu qu'il y avait. Bien sûr que c'est le crypto. Et alors, vous allez voir, c'est lequel? Donc c'est celui que je dis depuis tout à l'heure qui me dit non. Et pourtant, je l'ai reconnu hein, pour vous dire à quel point je l'ai reconnu. Je l'ai pas connu. Il est horrible le crypto. J'avais pas vu, il y avait un skin tout plat, tout. Non mais parce qu'il est petit, mais c'est, il est horrible ce dino. Non, je veux voir le giga. Ça c'est le giga. Ça c'est l'ancien. Ça c'est les gigas pétés. Ça c'est l'autre giga. Celui-ci bien mieux. Les herbivores. Nadzego, l'innocent Sevia. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, oui, c'est oui. Ça. C'est le Cryptops. C'est le crypto. Il est horrible. Et le pire, c'est qu'il est assez bien fait. Parce que j'ai regardé des photos, enfin des images de ce à quoi il ressemble. C'est ça. Ouais, il n'y a rien de nouveau, donc oui, c'est lui. Mais ils l'ont jamais mis dans le mode. Bon, je reprends le torvo. Là, c'est celui que je dis depuis tout à l'heure. Oh, je le connaissais pas non plus, Toutra. Jusqu'à ce qu'il arrive dans le jeu et que je me renseigne un peu. Pas continent africain, le Toutra. Je suis désolé, la fatigue. Hein. Le crypto, c'est pas le continent africain, le crypto. Je crois que si. Attendez. Mais vous dire, je crois que oui. Non, États-Unis. Non, mais non. Bah je sais même plus. Cryptops. Attendez. Est un genre, est un dinosaure théropode du Crétacé inférieur. Si, en Afrique, au Niger, j'avais raison. L'espèce type et seule espèce Cryptops palaios a été décrite par machin, ok. Veut dire visage couvert. Donc oui, c'était bien en Afrique. Donc mes souvenirs étaient bons au Niger. L'embranchement, le chordata. Classe Sauropsida, ordre Saurischia, théropode, famille Abelosauridae. Bon, avec des petits bras et une gueule comme ça, c'est pas étonnant. Les Abelosaures, si je me trompe pas, c'est Carnot. Hein. Carnot, Majoun, Pycnot. Mais avec ce genre de tronche et des petits bras, je vous dis, c'est pas étonnant. Ça marche Noah, en tout cas merci pour le follow et je te dis à bientôt. Arcovenator pour les Français. Allez, bonne soirée. Alors. Attends. Oui, demain je vais live. Après, est-ce que je live sur POT? Je sais pas. Ça on verra. Parce que Melio part. Pendant tout le week-end, donc je vais être tout seul, donc je sais pas. À voir. Pour faire du Fortnite. Hein. Oui, mais je vais pas faire que du Fortnite. Il y a du Prior Extinction, il y a du F1, il y a du vol, il y a du Fly Simulator. Tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à la rattraper l'autre. Bah, Cryptops, c'est tellement rapide. Par contre, ça fait mal ça. Hein. Ça met ouais les coups de tête et tout. Mais il est seul. Mais oui, il a un skin.
Là, le visuel qu'il a, c'est plutôt, plutôt... Attends, attends, c'est le Cryptops, là, ou c'est un Karcha? Ça, c'est un Karcha, ça. Ouais, 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 c'est un Karcha. Le Karcha, quand on l'avait vu... Qu'est-ce que t'as? Tu bugs le Karcha? Pourquoi tu trembles? Oui. Ok. C'est un... C'est quoi, ça? On dirait un crypt, un. Ça, c'est un. Un cryo, cryolophosaure. C'est un cryo, ouais. Ça y ressemble. C'est un cryo, regarde comment il court. Attends, mais Adios, s'il est dans le jeu, il faut le demander un ami. Oui. Pas grave, on peut se TP sur toi, nous. Faut juste que tu me donnes ton numéro Alderon. Bon, je le sais, moi je le fais. Mais c'est vrai. Alors, j'ai vu 466. Point, point. Ah, c'est peut-être ça. 457. Il est peut-être enregistré. Waouh. Oh, et c'est un para. Oui, c'est celui-là, il est enregistré. Vas-y, range 2. C'est bon, ça se, on se TP sur toi, tu vas avoir deux gros arrivés. Hein. T'es à quelle zone? T'as pas un nom au-dessus là de ta zone? T'es entre zones. La chute de la triade, oh il est juste à côté. Il est en bas. Il était en bas de nous. Bon, on va dire qu'on va aller plus vite en se TP sur toi, c'est sûr. Mais t'es vraiment pas loin, en fait. On a fait un TP, ça. Oh, bravo. Attends. Bon. Bon, allez, on va se TP sur lui. Ça sert à... Je peux courir vers lui, ça sert à rien. C'est histoire de voir s'il y a des dinos encore ici. Ouais. Allez. Ah tiens, en voyant la photo... Alors, t'as vu quand Ashling, tu peux pas manger? Normalement, Ashling, tu peux pas manger. Hein. Tu peux pas te nourrir. T'es Ashling ou t'es juvénile, là? Ouais. Non, t'es juvénile. Parce que quand t'es Ashling, avec le Torvo et la Pato, tu peux pas te nourrir. Impossible. Et ça, c'est parce que, vu que Primordial Tyran, ils sont en lien avec Alderon, ils doivent avoir les consignes de faire ça, ce qui veut dire que ça annonce le nest. Parce que le nest, comme dans The Isle, et c'est ça, hein, c'est clairement le nest. Hein. Quand t'es Ashling, tu peux pas te nourrir seul. C'est les parents qui te nourrissent. Donc c'est pour ça que quand t'es maintenant Ashling avec les dinos... Oh, regarde ce qu'on a devant nous. Oh, un Kentro. Et il est pas seul, il est avec un bébé. Hein. On le bute. Go. Okay. Okay. Oh, pas le bébé, hein, lui. Hein. Il a une carapace de tortue dans la gueule. Oh, par contre, va pas là, Adio. J'ai fight one shot. Oui, mais va, te mets surtout pas dans nos pattes. Ça serait très dommage qu'on te tue. Oublie pas, Melio, qu'on a le cri qui nous ramène de... Non, 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 il nous faut le gros, nous. Le tue pas, le petit. Oh le bâtard. Putain, mais va dans les arbres. Par loin du fight. Ah oui. Par loin du fight. Oh putain, c'est pas faux de te le dire depuis tout à l'heure, bordel. Il s'est fait écraser par moi, il était passé sur mes pattes. Eh ouais, mais c'est le problème. Ouais, bah oui, fin de fight. On peut plus. Il était mort, le Kentro, hein. Il était rouge comme un steak sur le côté.
Il s'est fait égraser par moi. Mais le pire, c'est que il ne défendait pas le Kentro. Non, il se barrait. Le petit, il a ouais, mais il fallait que tu te barres. On est en plein fight, on est des gros. Même quand on est dans ton camp, on a beau être ami avec toi, on te tuera. Et c'est ce qui s'est passé. Melio courait après le Kentro et il t'a marché dessus. Ah putain, j'aurais bien aimé le tuer le Kentro là. Bon, on n'a pas perdu grand chose, Melio. Hein. Le but c'était chiant. Ah oui, il doit danser de ouf le Kentro. Parce qu'il était mort, hein. À mon avis, il a plus de vie. Hein. Il a fait un saut. Hein. Oui, en plus, il a fait un saut, donc il a perdu un peu de vie. Ah bah là, on peut plus, on n'a pas le droit là. Si on le recroise, on n'a pas le droit tout de suite. Hein. Ouais, mais il va falloir se re-TP du coup. Yes. Attends, mais ça se trouve, il s'est re-TP à côté. Bah, c'est l'idée. Pour l'inviter. Oh, il est en haut de la carte. Bon. Bon, attends, on va se TP. Ah oui, t'es très loin en fait. T'es où? Bah, à mon avis, il est tout en haut de la carte. Bon, attends. Attends, moi j'ai un système plus simple. Voilà. Voilà, ouais, j'allais dire. Bah, regarde ah, où il est. Bon, ça va. Allez, go. Ça nous régène un peu aussi. On aurait eu un 100% de chasse. Bon, de toute façon, il était mort, hein. Je pense qu'il sait très bien qu'il était mort. Je pense qu'en quelques crocs et c'était fini. Ouais, tu dis. T'as une chute? Ah. Ah oui, la grosse zone là-haut, là, le plateau. Il y a de la flotte en plus. Ouais, de la flotte, de tout. Ouais, et puis il y avait une carcasse ici, là-bas. Pas avant. Avant, oui. Ouais. Il y a des gens qui faisaient beaucoup ces nests. Pour voir. Ouais. T'as plus de stam? Ouais, c'est pour que je marche. Ouais, moi j'ai refait le call aussi, j'ai plus de stam, je vais marcher. Ouais, j'ai refait le call. On le fait pas. Ouais, j'aurais dû pas le faire, hein, tant pis. Je me demande est-ce que je garde mon skin ou est-ce que je change la couleur de mon dino? Oh, t'étais là, putain, je te voyais au-dessus. Mais j'étais mon focus à monter, désolé. Ah ouais, c'est what shot là. Mais en fait, j'étais focus à me dire qu'il était là en haut. Donc je marchais un peu en automatique, tu vois. Là, c'est le mien. Je me suis arrêté, j'ai fait, il y a un... Personnage. La peau. Qu'est-ce qu'on a? Non. Full blanc, non. Celui-là, il est pas mal, celui-là aussi. Ça, c'est le basique. Ok. Ouais, flou noir. Style Jurassic Park. En couleur, mais il est pas dedans, mais bon, c'est style. Celui-là est joli. Ouais. Ah. Celui-là, il me plaît. Ah, attendez. On va acheter les couleurs. Acheter. On va acheter. Et ce qu'on peut même faire, c'est le dé. Et il me crée des couleurs aléatoires avec ce skin. Waouh, c'est pas ouf en fait ce qu'il me crée. Ouais,
crée pas des trucs de ouf, hein. Bon. Peut-être acheter ça pour rien, en fait. Ça, c'est celui que Melio, il a, ça, je crois. Ou celui-là. Je sais pas, en tout cas, ça y ressemble. Ah, ils ont tous un peu le même style de ce qu'ils ont fait, mais ah. Je sais pas lequel prendre, les amis. En vrai, le mien, ouais, il me plaît, le mien. Écoute, ces petits ornements rouges. On est bien ici. Ouais, je sais, non, mais je vais garder le mien avec son petit ornement rouge. Je me secoue. Bon. Boire un coup. Bon, on va où? Jeune Bosquet? Son voyage. Mais il a grandi. Il a bien grandi, le petit. Je sais pas s'il y a le boost encore de gros. Non, ça fait un moment déjà que le dino est sorti. Faut demander à Spectrity. Je sais pas s'il a un boost de gros. En tout cas, il en a un parce qu'il est groupé avec nous. Mais il est pas si puissant que lorsque le dino vient de sortir. Ça monte vite. Ouais, donc il a rétréci d'une demi-barre. Enfin, d'une demi, une moitié de gêne. Mais je trouve qu'il a grandi, hein. Je trouve qu'il a grandi. Oui, il a grandi. Il est plus grand que quand il était mort, je crois. Bah oui. C'est ça en plus. C'est ça. Même moi j'ai abusé. Je sais qu'il a un peu grandi là. Donc il doit y avoir un boost encore, hein. À mon avis, ils l'ont encore boosté, le dino. Parce que normalement, ça prend plus de temps en passif, hein. Juvénile. Non, il est déjà juve. Oh, on est loin de Jeune Bosquet, hein. Ouais, tu vois, il est ado maintenant. Ah oui, c'est pour ça qu'il est grand, il est ado. Bah ouais. Ah, putain, on n'y comprend rien du tout. C'est qu'il est quoi? Il est passé juvénile. D'accord. T'es ado. Okay. C'est ça. Les mecs, wow. Ils comprennent pas. Et il est tard, les gars, il est tard. On a joué tôt ce matin à Prior Extinction. On a fait du Fortnite toute la journée. On s'est fait exploser toute la journée sur Fortnite. Mais bon, moi, c'est bien amusé quand même. Faut pas le dire. Ouais. Avec le. On doit soigner ce thème après. J'avoue, là, me concentrer sur Patoff, là, il faut y aller. Hein. Le moron, c'est quand même avec les cornes. Il m'a fait un fou rire. Avec son écureuil, là, lui. Ouais, je veux chasser, moi, les gars. Hein. Ils s'entraînent à préparer un morsure. Je sais même pas. Moi, je suis le daron. Mais j'ai pris un mal aussi. Ah, on va être deux pères. Comment c'est fini rapidement de ouf. T'as adopté. Non, mais j'ai pris un mal. Je prends plus de femelles, je crois. Attire à tété, mon cloaque. Non, mais j'ai dit que je referai à nouveau des femelles quand le nest arrivera. Parce que tout le monde dans le groupe prend des mâles, donc si on veut pondre des œufs, on va être comme des cons à se regarder entre couilles. À dire c'est qui pond. C'est qui pond. Mais le nest, les gars, on n'est pas prêts. Hein. Patoff, là, Alderon, la dernière vidéo qu'ils ont balancée sur tous ceux sur quoi ils travaillaient, le nest, ils n'ont pas du tout parlé. Moi, bon, à mon avis, déjà, avant de mettre le nest, ils veulent mettre à jour toute la carte. Ouais, je pense. Et après, ils vont mettre. Parce qu'ils ont des zones de TP de nid, hein. Et ça va être les points de nest. Donc ça, ils veulent les mettre un peu partout. La carte ensuite doit changer de végétation.
Donc normalement le 3/4 de la végétation, pour pas dire toute, doit changer. Ils veulent mettre des végétations de style vraiment dino. Comme il est en pré-extinction. Donc déjà le temps qu'ils fassent tout ça, on sait que ça prend du temps. Parce que les mecs ils bossent sur plein de choses. Leurs nids sont buggés. Sur Prior. T'as Prior, j'ai essayé de faire des nests. Je comprends rien. Non mais là on peut même pas faire de nest. En fait, si j'en croise, je te montrerai tout ra. Mais ils font en fait par mise à jour, ils font pop des lieux de nest où il y a des nids. Et normalement, selon les infos, il faudra faire des quêtes pour construire un nid là-dessus. Ça va être la base en fait du nid. Le nid, tu verras que c'est pas un nid, hein, ça ressemble pas à un nid. C'est juste une sorte d'amas de terre. Mais je crois qu'il y en a, ouais, là. C'est un petit amas de terre qui te dit que là, tu peux faire un nid. Et en gros, tu auras des quêtes, genre ramasser des branches, prendre de la boue, machin, construire ton nid. Et une fois que ça va être construit, tu pourras nest, faire tes œufs. On sait qu'ils ont balancé une photo qui allait avoir un type d'œuf par dino. Donc chaque dino aura son œuf. Couleur, taille différente. Et normalement, ensuite, tu ponds tes œufs. Les œufs servent de récitac pour que un joueur se TP dedans, se co. Il éclot de l'œuf. Et là, il apparaît Ashling. Et là, il ne peut pas manger. C'est ce que ce dino-là, le torvo, celui-là, il a. En Ashling, il peut pas se nourrir. Et l'apatosaure aussi. Mais ça, c'est parce qu'on sait que Primordial Tyrant travaille étroitement avec Alderaan, donc ils sont au courant de ce qui se passe. Donc je pense que Alderaan leur a dit, écoutez, le nest machin, donc maintenant préparez vos dinos à ce que vos dinos ne puissent pas se nourrir bébé, et on aura sûrement une capacité, sûrement nous adultes pour les nourrir. Donc peut-être un vomissement, par vomissement, c'est ce qu'il y a dans The Isle. Avec, je regardais un youtubeur qui avait fait des vidéos reportages sur The Isle, trop stylé. Et il jouait la vie d'un Carnot, et pareil, bah, le Carnot, tu vois les adultes qui reviennent, eux les petits peuvent que brailler pour appeler à manger dans le nid, ils peuvent pas se nourrir, et les adultes ils reviennent et ils vomissent, ils régurgitent, il y a quelque chose à gauche, ça court vite, hein. Et ils régurgitent, et en fait le truc qu'il y a, c'est que quand toi t'es adulte et que tu régurgites, c'est un giga bébé. Non, c'est pas lui que j'ai vu, c'était à gauche, lui je l'avais pas vu. Bah lui on va pas le tuer, c'est un Ashling, c'est un tout petit, c'est un bébé giga. Par contre, on doit se laisser. S'il y a un petit, peut-être il y a un adulte. Il y a peut-être un adulte, ouais. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que quand tu vas vomir pour donner à manger au petit, forcément ton taux de bouffe va diminuer. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur The Isle. Mais apparemment, Alderaan partirait sur ce délire. Parce que même Veloci, hein, la vidéo qu'il a fait, c'était ça. Hein. Qui est le youtubeur POT, hein. Mais il est anglais. En tout cas, il parle anglais. Mais vu son accent, je crois bien qu'il est anglais. Oh non. Regarde, t'es où, Adio? Débile là-bas. Quel est le petit giga? Il y aura un mort. Regarde, il boit où? Hein? Il boit devant nous? Il boit de l'eau salée. Il boit de l'eau salée? Oui, il est occupé à boire de l'eau salée. Ouais, mais il est nouveau lui. Ah oui, bah t'es mort, mon grand. T'es mort. Ouais, ouais, fais-nous ton petit cri. Bah t'es mort. De l'eau salée, mon pauvre, tu vas très vite comprendre ta douleur. Je vous explique, hein, l'eau salée, ça va faire diminuer le taux de l'eau. Mais là, il va perdre de l'eau de ouf, et quand il aura plus d'eau, il va perdre de la vie. Plus il a pris. Ouais, mais lui, tu vas voir, là, ça y est, là, il doit voir sa vie, ça, son eau, mais tomber à une vitesse grand V. Ouais, et là, il se dit, oh, je suis dans la merde, et il n'y a pas d'eau autour. Tue-le, Adio. Allez, première chasse, t'es petit, tue-le. De toute façon, il est mort, hein, il n'y a pas d'eau. Tue-le. Il est tout petit, là. Tue-le. Mais Adio, qu'est-ce que tu fous? Il est juste là. Mais il est putain, il est devant nous. Mais tu joues sur NES ou quoi? Il est là. Tue-le. Allez, première chasse. Tue-le. Il est à côté de moi.
Il est mort, de toute façon, il a bu de l'eau salée à mort. Tue-le. Bah, laisse-moi. Voilà, vas-y. Allez, adieu. Adieu, sérieux, mais c'est on a un petit qui est bigleux. Tue-le, allez. Il est où? Il est là, il nous court autour, mais c'est en plus c'est un noob, il connaît pas le jeu. Il a pas resté près de nous. Bon, je vais le tuer hein. T'es trop lent. Le dieu peut jouer. Non. Voilà. C'est comme ça qu'on chasse. Il était mort de toute façon. Alors qu'on me dise pas, oh, mais toi tu tues des bébés. On est déjà dans la nature, c'est comme ça. De deux, lui c'est un giga. Il a pas resté près de nous. Franchement, s'il tient à sa vie, il reste pas à côté de dinosaures qui sont pas de sa famille. Et encore moins machin. Et en plus, il s'est rempli la panse d'eau salée. Il était en train de crever. Je suis déjà le temps qui court. Il ne devait même plus avoir de flotte en fait. Ah non, pas de quartier non. Il était déjà coupé à crever. Oh non, il était mort. Il n'y a pas d'eau autour. Il n'y a pas d'eau non salée autour. Donc là, le temps qu'il trouve de l'eau, sachant qu'on voyait que c'était un joueur, c'était un noob, il était mort. Et regarde, il a même pas bouffé ça. En plus, il a même pas bouffé son truc. Regarde. Il a même pas bouffé sa grenouille. Je la prends, moi. Ça me sert de casse-croûte. Viens, on va à Jeune Bosquet. Lui, il va être content, lui. On fait un détour. Ah non. Tu passes par où pour Jeune Bosquet? Mais il y a un petit passage là-bas. Adieu, arrête de faire le chat, on est parti. Hein. Non, mais il était paumé. Il était paumé, le joueur, je vous le dis, il était. Il y a un gros truc, non? Où t'as vu un gros truc? T'as crié. Pas de près. Adieu, il bouge pas. Bah adieu, on s'est barré hein. Et t'as pas le truc du. Non, bah non, parce que s'il l'avait, il s'était déporté directement chez nous. Ah putain, bah on est obligé alors. Ah il a pas fait le truc avec le Discord. Non. Bah tu vas dans local et tu fais point point Marx. Oh bah oui, il nous fait pas chier à faire tes quêtes. Point point Marx, t'as 20 000 Marx. Oh oui. Ah t'as changé de couleur, elle était bien ta couleur avant toi. Elle ouais, était mieux celle d'avant. Là celui-là un peu. Je le rechangerai après. Ah c'est vrai que comment il a bu l'eau salée. Ah tu sens que c'est une personne qui vient d'apprendre, qui vient d'avoir le jeu. Ça c'est un risque aussi, que vu que la personne ne savait pas jouer, ça se voyait, d'arriver sur Oranea, faire une action et se faire ban def. C'est... Dans le local. Dans local. Tu vas aller local et... ouais, Melio l'a marqué, le truc tu recopies, point point Marx. Et tu vas avoir 20 000 pièces. Et en fait, je suis même en train de me dire que s'il avait de l'eau. Ouais, c'est à cause de salé. Non, mais il y a un trou. Il y a un trou de flotte à un endroit. Là. Il y a une toute petite flaque. C'est de salé? T'es sûr? Pensez de salé, hein. Ah oui, l'eau salée, bon, il serait mort. Bon. C'est bien, il serait mort. C'est ouais, il serait mort. C'était de l'eau salée aussi. Non, il n'y a pas d'eau. Et puis, vu qu'il est petit, il aurait été trop long à aller là-bas. Ouais, non, mais le risque, c'est que ce joueur-là, ou cette joueuse, se fasse ban def. Ce qui rigole pas hein, sur le serveur Orania. Hein. Tu fais une connerie, tu te fais ban. Hein. Ouais. Il déconne pas. Hein. Bon, il y a toujours des gens qui font du RB. On l'a eu l'autre fois avec l'apatosaure, quand on a tué un apatosaure et que l'autre est resté oui. Dessus et a protégé son camarade oui. Mort, chose qu'il devrait pas faire. Bon, ce genre de joueur, ça, je me doute même pas que ça se fasse ban après. Et là, normalement, tu regardes tes marques, t'as tout plein d'argent. Qui marche
Oh, ça. C'est un herbi, c'est l'apatosaure. Où ça? Oh, mais c'est un bébé. C'est tout petit, ouais. Bon, adio. Deuxième chance. Deuxième chance, dépêche-toi, il va falloir que tu le chasses, lui. Allez. C'est tout petit. Par contre, là, il est dans les buissons. Vraiment... Ouais, mais on va le trouver. Il est pas loin. Adio, dépêche-toi, il faut que tu le chasses. T'es un carnivore, t'es pas un mangeur de salade. La nourriture, elle vient pas à toi. Toi qui dois la chercher. Je le cherche. Tu le trouves, tu l'as trouvé ou pas? Je le cherche en fait. Oh, attends, je crois que j'ai. Ah. Si, il est là. Ah, il est en train de courir ce petit. Allez, on le cherche. Il y a un parti de cache-cache en mode dino. Il est petit, hein. Viens, j'ai de l'air pour toi. Petit, on se fait pas mal. Tu vas apprendre à notre petit de chasser. 2 ans plus tard, non mais je te jure. Mais le truc, c'est que là, il est clairement bien dans son... Ah, j'aurais dû le suivre. Attends. Ouh, il y a un autre truc. Ouais, il y a autre chose. Oui, je crois que j'ai vu une tête. Oui. Oh bah c'est le... Oh, c'est l'accro. C'est l'accro. Ah oui, c'est, le... ah oui, c'est un accro, oui. Alors là, il est là. Adieu, tu peux devenir le casse-croûte, là. Judas est juste là. Il ne bouge pas, hein. Non, mais ceci, il a bougé, hein, donc... Bon, chasse oubliée, adieu. Quête annulée. Quête annulée, on trouvera autre chose. Et il a eu de la chance, le petit long coup, là. Le petit apatosaure. Là, je l'ai vu, après je l'ai suivi. Oh, il est là! Il est là! Allez, c'est reparti! Oui, il est là! Allez! Plage. C'est reparti! Allez, go! Go! Il est derrière le caillou. Allez! Tue-le! Adio, t'es sérieux? Il est là! Putain, mais Adio, tu joues sur quoi, là? Il est là. Il est devant moi, bordel! Il est juste là. Allez! Tue-le! Tue-le! Putain, vise-le bien! Tue-le! Qui m'a sorti un carnivore comme ça? Tue-le! Vas-y. Il est en train de te taper en plus, il se fout de toi! Allez! Tue-le! Il est là. Il est là! À côté de nous. Et là, il court. Encore! Il est où? Pas là, là-bas. Il passe par là. Et il est parti. Oh bah il est monté dans les feuillages, moi je suis trop gros, je le verrai pas. Hein. Oh je crois que c'est perdu hein. Il est là. Ah. Je l'ai vu courir. La scène est minère hein. Ah y'a qu'ici tu peux voir ça hein. Il est où? Il est là, il est chez moi. Il est sur le milieu. C'est pas chaud. Allez. Va mourir Emilio. Allez, tue-le moi là. Normalement, un haut de croc, c'est fini. Hein. Allez, se prend tous les cailloux. Allez. Allez. Il est juste là. Là, je le suis, il est devant ma tête. Il est là. Non. Il est où? En fait, il est petit, donc il se cache derrière. Mais oui, il est petit, il se cache de ouf. Il est sombre en plus. Il se baisse en plus. Il l'a. Il est devant moi. Il est dans mes pattes. Allez. Il est là-bas. Allez. Il est dans mes pattes. Il est devant. Là, sur ma droite. Allez. Tue-le moi, bon sang de bonsoir. Il est là. À droite. Et là, il sait très bien qu'on te prépare à chasser. Hein. Il a très bien vu qu'on te... Tue-le, moi, bon sang de bonsoir. Tue-le, bon sang, mais tu dois mettre blin-blin les crocs à côté, en fait.
Encore. Il est là. Il bouge encore, hein. Allez. Allez. Putain, c'est long. Il tourne autour de là, le bâtard. Il tourne autour de là, le bâtard. Ah oh, ouais, il a... Allez. Allez, il se joue de toi. Il se joue de toi, il tourne autour du sapin. Ah, il a... Mais il se fout de sa gueule de ouf. C'est bon, il a progressé plus vite. Allez. Il est là-bas. Putain, il est en train de monter, il est en train de s'enfuir là. Il est là. Putain, il est passé par où? Je l'ai perdu de vue. Là, là, là. Là, là, dans le caillou. Là, il est monté sur le rocher. Il est sur le rocher avec toi. Mais il se fout de ta gueule, il est là. Il est sur le fucking rocher. Il est en train de descendre. Il repart sur la plage. Allez, pour la France. Pour Zidane. Pour Zidane. Pour Zinedine. Oui, il est oui mort. Oui. 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 Il est... Adieu, j'ai cru que t'allais failli faire une chasse aussi longue, voire plus longue, que la chasse de nos deux Rex avec Ménio l'autre fois. Contre... Et en plus, on était contre des torvaux, hein. Contre ce qu'on est là. Eh, j'aime bien, il le tue et c'est Ménio qui le bouffe. Bah, il bouffe parce qu'on va manger, nous, hein. Et Toutra te dit GG. Bon, en tout cas, Adieu, tu seras pas le chasseur de tête, d'accord? Dans le groupe. Sors la soignure si tu veux. Eh, cette petite crotte s'est jouée de toi, mec. Il s'est mis sur le rocher où tu t'es mis pour le chercher, quand même. En mode, regarde, je suis là. Non, mais sérieux. Déjà il était futé, le petit, hein. Il s'allonge, il se cachait dans les buissons, il s'accroupit, donc tu le vois pas, hein. Même moi, je l'ai pas vu au début. Il s'est agrouillé. Ah, ce sera en soutien, ouais. C'est quoi ce truc? Je le mettrai sur moi. Je le mettrai sur un mur. Mais c'était. Ah bah oui, bah lui, il s'en est bien sorti, lui. Après, il aurait pu vachement survivre, tu vois. Il aurait pu nous semer, hein. Dans les bois. Hein. Ouais. Mais là, c'était un coup de chance, un apatosaure comme ça, seul. Et quand ça devient dupe, ça, c'est laisse tomber pour nous. Hein. Je crois qu'il a pris la défense. Ouais, il a pris la défense. Donc, il a pris la défense. À 30% de défense. Quelle chasse. En plus, tu commences à devenir gros. Et lui, il était tout petit, lui. C'était un juvénile, lui. Oui, mais tu lui croquais beaucoup le cul. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il prenait pas énormément de dégâts. Mais ça tanque bien un apatosaure, hein. Oui. Le petit apato ne savait pas jouer avec toutes les... Enfin, j'aurais attendu que vous soyez assez... Ah, de ouf. Mais en fait... Si, on l'avait perdu de vue quand on avait l'accro. Sauf que moi, en repartant, je l'ai vu sur la plage. Et il s'est mis à marcher sur la plage. Mais on allait le perdre à ce moment-là avec l'accro. S'il était resté sous les branchages, je l'aurais jamais retrouvé. Ce qu'on partait, mais je l'ai vu sur la plage. Donc forcément, à ce moment-là. Mais pourquoi il a fait ça? Il faudrait lui demander. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, il sait pas. Il sait pas pourquoi. En tout cas, il est mort là où tout a commencé. La plage. Je suis pas sûr qu'il a cherché la plage. Je suis pas sûr qu'il a cherché. Mais il a fait un cas de suicide là. Mais c'est vrai que le fait que nous, on l'ait perdu de vue et qu'il reparte sur la plage, j'ai pas compris. À moins que lui, il s'est dit que nous, on s'était barré complètement vers la forêt et qu'on était parti. Et qu'il s'est dit, bon, bah c'est bon, je repars sur la plage. Mais dans ce genre de cas de figure, quand t'es un bébé dino et que t'as des gros carnies à tes trousses, tu restes caché.
Après, si lui, il était groupé avec deux apatosaures adultes, ouais, à ce moment-là, tu vas sur la plage avec les gros. Bon. Mais il était seul, il y avait personne avec lui. Bon, c'est pas pire que le giga. Hein. Ouais. Pas pire que le giga qui, lui, nous faisait des petits calls d'amour alors que, gros, on est des torvaux, en fait. Allez, on part. Jeune Bosquet. Adieu. Je me suis quand même. On a quand même du trajet à faire à pied. Allez, go. Ouais, on a un peu de route, ouais. On fait l'aventure. Prior extinction. On est d'accord que le. J'ai rejoint le Discord. Que le reptile. C'est beau la survie. Ouais, ouf. Le reptile marin, amphibien là, c'est bien un Sarcosuchus succus là qu'ils ont mis en photo. La tête. En tout cas, si c'en est pas un, ça y ressemble beaucoup. Le museau, ok, c'est bien un Sarco. C'est le prochain reptile qu'ils vont mettre. D'ailleurs, poste pour demain, tu crois? Ok, je regarderai ça. De toute façon, j'ai les notifs hein, de tes posts. Et le Soropelta, le jour où tu l'as annoncé, ouais, bah le soir, il était là. Putain, le nombre de gens qui l'ont eu. Bah moi, je me suis fait tuer en Uranosaure avec les Soropelta. On a bien rigolé avec Melio aussi. Hein. Ouais, il y avait des hardes de Soropelta. Il y a un moment où on s'est fait courser par des Soropelta. Alors qu'on n'a rien fait, on était en Uranosaure. On passe, ils nous courent après. On se barre. On tombe sur deux autres Soropelta qui, eux, viennent nous voir. Nous disant rien, fait des fonds d'école d'amour et se mettent à tourner en rond sur place. Donc on se met à tourner avec eux en mode c'est peut-être friendly, allez on tourne. Sauf qu'on les quitte parce qu'on a froid. On retombe sur le groupe de Soropelta juste en dessous qui eux bah, me tuent. Mais il est magnifique le Soropelta. Hein. T'es plus obligé de faire tes quêtes pour la faire court le Soro. Posidon va venir bientôt et juste après, apparemment, ce serait le Sarco. Ok. Le Soro Poséidon, c'est quoi ça? Il ressemble à quoi? C'est un truc réel ou pas? Oui, parce que Prior Extinction fondait aussi des dinos qui sont bien faits, mais qui n'existent pas. Le Dynamo Titan, c'est une sorte de Spino, mais ça n'existe pas. Ah, ils font le Sarco. Lui, il va coûter cher, je le dis. Ouais. Bon, à choisir, je préfère le Deino, hein, qui est beaucoup plus gros, normalement. Il fait mal. Ouais, le Deino, il fait mal, oui. En un coup, t'as perdu 4 vies, 4 barres, c'est bon, ok. 2 barres. Hein. Ah, on va venir entre temps, il faut y jouer. C'est un full biome montagneux. Ouais, j'ai vu que t'as parlé d'une map. Bon bah de toute façon moi je vais pas lâcher le jeu hein. J'ai acheté l'accro, j'ai acheté le tarbo, je les ai fait tous les deux adultes. Mais par contre le tarbo hier avec les Soropelta on l'a vu. Mine de rien le tarbo il les a massacrés hein. Hein Melio, combien de fois on a vu le tarbo venir et reparti avec des. Chaque fois il avait une carte. Ouais bah putain bah j'ai hâte. À chaque fois il partait avec un Soropelta dans la gueule. Incroyable. C'est fragile ce truc. Après, attention, le tarbo c'est énorme. Hein. Ouais. Mais ouais, il y avait une guerre, il y avait un tarbo adulte, il y avait toute une bande de Soropelta, il se tapait contre lui, lui il se barrait, il revenait, et à chaque fois il en fumait un. À chaque fois il en fumait un, et il repartait avec. Après, le tarbo c'est violent quand même. Hein. Moi j'attends le Rex, le Trissé, surtout qu'ils sont visibles. Ouais, t'as même vu les stats aussi. Ouais, j'ai regardé les stats hier du Rex et du Trissé, de tout. T-Rex c'est plus rapide. T-Rex c'est plus rapide. J'ai regardé la rare, ouais. T'as regardé aussi, je sais plus c'était quel dino. Peut-être il y a eu un buff. Ouais, bah oui, peut-être.
Ah ouais, c'est le Rex, putain, tout cela, le Rex, le Quetzal et tout. Il nous les montre. Et pourtant, bah. Ils nous le font pas. Mon pauvre, si tu savais. Ah, il sait des choses, tout ça, il sait des choses, je sais qu'il sait des choses. Il cache beaucoup de choses. Et moi, le Rex est tristé, je remets la main au portefeuille, attention. Attention. Il a pas précisé qu'il y a le dino. Hein. L'Edmontosaure, je mets la main au portefeuille aussi, attention. De toute façon, les trois, ils doivent être dans le même biome, dans la même carte. Ils vivaient ensemble, donc. Le Karcha doit être dans le biome du Spino, ils vivaient ensemble. L'Ankylo doit être normalement là où il y a le Rex. Voilà. C'est où? Dans la carte. Ah, c'est... demi-tour. T'as un demi-tour, il faut faire. Par contre, alors c'est peut-être un spoil, mais pour le moment, c'est une théorie. Tu m'as dit quoi aussi, Adio? Oui. Ouais, ils ont modifié la démarche, mais c'est toujours horrible. Mais crois-moi qu'il y a un autre Karcha qui, normalement, si je me trompe pas, en tout cas des visuels qu'ils ont montrés en entier, parce que le dino est fini, hein, visuel et tout, les cris, les calls, tout, il est magnifique le Karcha. Et il ressemble vraiment à un Karcha. Et je l'attends. Par contre, j'espère que le dino aura de bons stats. J'ai peur qu'il ait les tibias fins comme le nouveau, comme le dernier giga. Ça me ferait peur. Ça me fait peur. Mais en tout cas, entièrement, ce Karcha, même s'il a les tibias fins, il est mille fois mieux que celui qu'on a actuellement. En tout cas, dans le visuel. Ouais, le Karcha, là, il est horrible. Il mériterait une refonte totale. Le Saint-Dino aussi. Ah oui, par rapport à un vrai Karcha, il est pas beau. En tout cas, de ce qu'on connaît, on n'a jamais vu les vrais Karcha, mais de ce qu'on connaît, la visuelle qu'on a actuellement d'un Karcha, c'est pas ça. Ouais. Mais ouais, Prior Extinction, ouais, le Trissé, le Rex, ils sont là, c'est quoi? C'est pas le mode survie, c'est l'autre mode? Je sais plus c'est quoi. Jeu de rôle. Jeu de rôle, ils sont là dans le jeu de rôle, mais ils sont visibles, mais on peut pas les prendre. Et ouais, je me suis amusé après à regarder tous les stats de ces dinos là. Voir combien rapportait de hanches, d'ambre, le poids, la vitesse, tout. Ah, le Rex est l'un des plus lourds, hein, en carnivore. Hein. Le Quetzal aussi, il est joli le Quetzal en plus. Ouais. Tu vois les îles là-bas, tout ça, on peut y aller, mais bon. Enfin, pas avec nos dinos, avec des piafs, oui. Et forcément, c'est des îles qui malheureusement n'ont pas de vie. Mais, quand le nest arrivera. J'espère qu'ils mettront des nids là-bas, parce qu'avec les piafs, tu pourras aller sur les îles, faire ouais. Ton nid, surtout le thalasso. Le thalasso qui pêche. Le thalasso, il pêche. Tu te mets là-bas, tu fais ton nid. Franchement, à part des Quetzals et des Adzego qui peuvent venir et te bouffer, mais si, et des Spino, pourquoi pas. Ou les marins. Le mec il essaie de faire des trucs et je comprends pas de l'idée. Bon, le plus attendu moi c'est le micro. Le micro Raptor? Ouais. Ouais bah apparemment c'est l'année prochaine hein, les dinos Alderon hein.
Ouais, mais le Microraptor, je l'attends aussi. En gros, ils nous ont fait la surprise pour Lester avant, avec la réunion de trois crocodiles en soi. Ils nous ont fait la surprise de Sarko. Ouais, ils ont fait la surprise du Sarko qui devrait être les prochains. Et du coup, de ce que je comprends, ouais, le Rex le tricé, c'est pas pour tout de suite. Attends. Ah non, parce que j'attends. J'ai pas eu ton message en entier. J'ai pas eu ton message en entier sur la play. Tu m'as grillé. En gros, ils nous ont fait la surprise pour l'ST à l'arrivée de trois crocodiles. En ce moment, ils nous ont fait la surprise du Sarko. Il faut savoir, dans leur version rétro, il y a le Purusaurus. Et un abonné m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi le Deino n'était pas avec le T-Rex. Et moi, je pense qu'il prépare le Puru pour la map. Oui, le T-Rex, surtout que le Puru est le plus gros. Le Puru, c'est quoi le Puru? Moi, j'ai pas connu ça. C'est quoi le Puru? C'est pas une map? Non, 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 et le plus gros. Bon, en tout cas, ça arrivera quand ça arrivera. Ce Ropelta, déjà, je peux pas le prendre. Parce que j'ai dépensé l'ambre dans le Bista. Que je suis en train d'essayer de faire adulte. On va voir, c'est le crocodile avec la mâchoire inférieure. La plus épaisse. Il s'appelle Puru, tout simplement. Et la taille, bon Dieu, ok, c'est un gros. Ouais, donc c'est un gros croco. Il s'appelle Puru. Purusaurus. Ouais, forcément. Il y a Zaurus. Purusaurus brasiliensis. Quoi? 1m80 de hauteur? Ah ouais, je l'ai là en visuel. Donc il est énorme. Apparenté au caïman qui vivait en Amérique du Sud pendant le Miocène. Donc c'est même pas pendant l'ère des dinos, lui, en plus, hein, je crois. Hein. Miocène, bah oui, il y a 20,4 et 5,3 millions d'années. Ah, les dinos avaient disparu. Il arrivait après. Ouais, ouais. Oui, j'ai regardé des vidéos de Monsieur Blob, un truc dans le genre, il parlait des crocos, il a dû en parler de celui-ci. Parce qu'il parlait de tous les crocos et de ceux qui ont... Ça a perduré après les dinos, hein, des crocos géants. Il a dû parler du Purusaurus. De quoi, Toutra? Ça sonne pas, j'ai pas compris. Bon, après ça colle bien avec les dinos quand même, mais bon, c'était pas, ça a pas vécu en même temps. Comme le Titanoboa, c'est pareil. Bon, on est où là par rapport... Attendez. On n'est pas du tout bon, il faut bifurquer à l'intérieur. Si on veut avoir une chance d'espérer de trouver quelque chose... Repartir là. J'ai partagé une vidéo ce matin d'un youtubeur. Bah, ils sont à cheval sur la liste, mais ils se sont pas vécu en même temps. C'est pas bon pour Prior. Ouais, oh. C'est le même genre. C'est. Alors oui, ça a pas vécu sur l'ère des dinos. Après, ils font des trucs qui n'existent pas non plus. Hein, Dynamo Titan. Moi je trouve que le Purusaurus a sa place. Hein. Le Deino? J'ai pas regardé Purusaurus Venezuela, j'ai vu, c'est Amérique du Sud, Venezuela.
qui a été retrouvé. J'ai pas trouvé, j'ai pas regardé plus après, je me suis pas renseigné sur sur l'animal. Alors regarde, nous, Path of Titan, dans les animaux Ophi, il y a le Megalania. Le Megalania, c'est pas l'air des dinos. Hein. Non. Après, les modés, c'est différent. Les modés, oui, on a des trucs, on a le Smilodon. Attends, oui, mais les effectifs sont apparemment très réfléchis. C'est dans la vidéo de Nico, d'ailleurs. Oui, ils sont très. C'est vrai que tu les vois, ils sont très réfléchis. Le Dynamo Titan, franchement, tu montres ça à quelqu'un qui s'y connaît pas, et pour lui, c'est le même le Speedo pour lui. Non, ils sont bien faits. Mais non, le Purusaurus, c'est pas l'air des dinos. C'était après. C'est pas trop grave. Bon. Tant qu'ils ne sortent pas des mammifères géants, des mammouths, des trucs comme ça, des rhinos laineux. Franchement, bon. Ouais, mais Prior, c'est pas le style. Et en face de moi, y'a un truc au-dessus. Oh! Un giga. Ouais, je l'écoute et après je vois un truc dans la bouche. C'est quoi ce truc? Salut? Quoi, le Nerami? Tu descends? Attends. Ah, c'est toi qui bois. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui s'élevait derrière nous. Vous savez qu'il peut y avoir un adulte qui est caché quelque part et que lui, en vocal, il te fait viens m'aider s'il te plaît, viens. Et là, tu vas avoir un gros giga qui va arriver et tu vas dire ok, on se calme. Tu vas le chercher? Bah ouais. Il est AFK, mec. Hein. Alors. Je le suis. Hein. Il y a même moyen qu'il se demande une TP. Oh, il bouge. Dans le local, il n'y a rien. On le tue, on le laisse vivant. même nous, on hésite. Quelle est ta question? Il a 3 tormos devant lui. Il sait très bien qu'il a pu, il a aucune sortie. Parce que s'il saute, il perd de la vie. Bon, venez, on le laisse. C'est pas cool. Il était AFK, c'est pas cool. Il était AFK, le mec, il revient en jeu. Il a 3 tormos devant lui. Là, il comprend pas. Là, le joueur s'est pissé dessus. Il se dit, oh putain, je suis pas mort. Oh, il a pas son pote dans Giga. Oh mec, j'ai vu. J'ai vu du tormos qui me regarde là. Non, il va rien. Ah, mais il était full AFK. Le mec, il revient. Il a 2 tormos collés à son cul. 2, 1 droite, 1 gauche. Ah, le pop-up de tormos, je te jure. Le mec, il revient sur sa. Ça se trouve, il est parti chier où il était au téléphone. Screamer assuré de ouf. Et il revient, il se retourne, il regarde l'écran, il voit 2 torvos collés à lui et un en bas en train de le regarder. Il y a quelque chose dans l'eau. Une salamandre. Salamandre, ouais. Tu peux le chasser? Nya. Oh, tu l'as croqué en pleine gueule. Il est mort. Continue. Bien joué. Ouais. Voilà. C'est bien, Adio. Tu as joué ton rôle, Adio. Tu es resté derrière. Non, mais les salamandres, en plus, ça fait mal, ça, ces trucs-là, là. Oui. Bon, ça nous tuera jamais, hein, mais c'est vrai que ça fait mal, ces saloperies. Et ça se trouve, il y avait d'autres potes à elle dans l'eau. Ils vont venir, ils vont faire un cri de tristesse. Oh bah écoute, elle m'a vu, elle avait pas qu'à faire aussi une collecte, hein, de fleurs, hein, devant. J'aime bien le petit se retourne, et je le mords et je vois la tête, oh là là. En plus, oh, tu lui as mis une morsure, mon gars, le crâne il a pris tout de suite. C'est chier à vous. Ah mon gars, on a une tête, notre tête a fait la taille du corps déjà quasiment de la salamandre, tu m'étonnes qu'on lui fait mal. Mais Torvo, bordel de merde, on n'est pas des compis. Ça aurait été très drôle d'être décompilé quand même. Une échoppe, on va dans l'eau, hein. Ouais, on aurait été compi, elle nous aurait gobé. Brac. Je fais même pas la taille de sa tête, le compi. Disparition. On part dans l'eau. Moi plus.
Oh, tu vas être adulte là. Non, bah voilà. Depuis qu'on marche, comment c'est adulte. J'en niffle le sol. Voilà. Vas-y, sans l'odeur du sol, de la terre. Elle est jolie la salamande là. Elle voulait partir dans l'eau pour rejoindre l'océan. Bah, elle est morte. Elle est morte avant parce que, manque de bol, elle n'a pas pigé que nous, Torvo, on est assez grand pour avoir pied dans l'eau et courir. Encore, si on devait nager, qu'on était trop petit, là, elle se serait enfuie, mais on a pied en fait. Ta tête est bien rangée en plus. Non, bah, j'ai vu le premier croc dans la tête, vu que les dégâts sont localisés, elle a dû perdre tellement de vie. Je regarde s'il n'y a pas un Deino dans le coin ou un Spino. Pourquoi ? Il y en a des fois ici, hein. Oui. Mais il y en a beaucoup moins qui traînent là. Il y a un moment où des Deino, des Spino, il y en avait plein. C'était infesté dans l'eau. Ouais, ça a abandonné pas mal de zones quand même. Mais c'est parti jouer ailleurs parce que t'as vu Grande Plaine, il n'y a pas tant de monde que ça. Ouais. Après, ça se balade, hein. C'est ça en fait, ça se balade comme nous, je pense. Se balade partout. Tiens, Adio a demandé de l'argent encore. Ouais, là. Je t'aurais pas dit. Bon. Je peux manger un peu. Non. Ah. Allez, peut-être qu'il m'a gorge. Ah. Ben, tellement trop fort. Tu vas voir que les mods ils vont arriver quand moi je vais être parti là, la semaine prochaine. C'est des mods, hein, venez pas me les dire pendant que je suis en séjour. Hein. Il y a un mort. Non, moi je. Déjà qu'il y a Star Wars Outlaw qui sort pendant que je pars, donc j'ai hâte de rentrer après pour le récupérer. Non, moi je ferai un code d'extraction. Il va voir là l'ombre dans Prior, lui il va revenir, il va me dire tiens le sort opéltin je l'ai eu, j'ai eu ça. Je dirais ah, putain il est sérieux gars. Je pensais qu'il allait tester des modes sur Potter. Ta casse d'Apop. Il est pas encore arrivé. Non à Outlaw il arrive pendant que je suis parti. Par le 30. Je peux le précommander, mais. Oui, mais téléchargement. Je pense farm le saut reposé, donc. Bizarre le nom, ça me. Bizarre possible. Oui, je vois pas trop à quoi il ressemble, mais tu vas le farm quand Attends, mais le saut reposé, donc. Mais je te jure, ça me parle pas. Moi non plus. Je sais pas si c'est un grand carnier ou petit. T'as 1 200 000, il coûte 2 millions. Ah, attends, si, le sauroposéidon. Si, c'est un carnivore, c'est un théropode. On est d'accord. Oui. Ah, c'est un sauropode. Ah! C'est celui qui a une peau sous le cou, là. Un truc dans le genre, avec quel? C'est la map où il y a le Conca. C'est la carte où t'as le Conca Venator. C'est Crétacé, pleine Crétacé, un truc dans le genre, je crois. C'est le seul sauropode, de toute façon. C'est simple, il n'y en a qu'un là. Et tous les autres sont au Jurassic. Ah, t'as fait une short dessus. Mais c'est lui. Mais je l'ai croisé hier. J'en ai croisé un hier. Avec un Conca. Mais si, c'est sûr, c'est lui. Je te dis, les sauropodes, ils sont tous. Ah, il est pas sorti. Alors, c'est pas lui alors. Non, c'est pas. Donc, c'est un autre. Il est pas encore dans le jeu. Putain, le sauroposéidon, c'est lequel bordel. Alors, c'est pas lui. C'est pas celui que je pensais. Attends. C'est un titanosaure. Ah non, c'est. Oui, c'est celui qui me parle. Ok, donc c'est un titanosaure. Donc déjà, c'est un truc vénère. Ok, à côté d'un humain, c'est vénère.
Ouais, j'ai le truc sur internet là. Donc ça commence. Famille des brachiosaures. Vous allez le dire. Oklahoma, Texas. Découvert en 94 par un machin. États-Unis, fin du Crétacé inférieur. Fin du Crétacé inférieur. C'est un titanosaure. Il est énorme. Hein. Donc lui sera, ça sera le gros dino du Crétacé. De l'autre côté, t'auras le brachy. Et au Crétacé, t'auras lui. Le sauroposéidon. Ah mais ça, le sauroposéidon, ça va être quoi? Ça va être... J'ai regardé ta vidéo qui parlait un peu au début, là, ta toute première vidéo. Braki, t'avais parlé de 8 heures. À mon avis, ça va être pareil, c'est 8 heures de gameplay pour le mettre adulte, ce truc. Hein. Ça va être la base du brachiosaure. Hein. Ça va être très long. Et si je il faut essayer de baisser. Oui, il faut que tu lui mettes des fossiles, ouais. Pour le diminuer. Il y a un satan qui sait plus faire. J'ai déjà tout pour le froid. Ouais, de ouf. Voilà, ça va être des heures et des heures et des heures de jeu, ce dino. Après, il faut se dire qu'est-ce qui va le coucher, quoi. Qu'est-ce qui va être capable de le tuer? Il va être au Crétacé, on a vu que c'est le Crétacé, mais j'ai pas compris les deux Crétacés, en fait. J'ai pas compris. Pourquoi on a Crétacé mixte et l'autre Crétacé, là, les plaines du Crétacé ou je sais pas quoi. Ah bah un sauropode comme ça, oui, de ouf. J'ai pas compris les deux Crétacés différents. Le mixé, il sera ok. Il est temporaire, donc ils vont en garder qu'une. Ah ouais, donc le mix... Ouais, donc ils vont garder une Crétacée et une Jurassique. Parce que pour l'instant, ils ont... Si je me trompe, ils ont rien du Trias. Le Yuna, c'est pas le Trias. J'ai un doute. Parce que là, ils veulent encore plus pousser le truc. Ils font une carte Trias, Jurassique et une carte Crétacée. Ils ont les trois périodes de l'ère des dinos. Enfin, après, si tu veux être plus dans le jeu type dino, Jurassic Crétacé suffit parce que c'est à partir du Jurassic où ils ont explosé. Trois maps Crétacé. Parce qu'il y a trop d'espèces Crétacé et que les mettre tous sur une même map va faire trop fouillis, trop de dinos. C'est peut-être ça. Hein. Après, attention, le Jurassique. Hein. Le Jurassique, c'est l'âge d'or des dinos pour nous, pour le moment. C'est là où la plupart des espèces connues sont là-dedans. Attention. Si tu commences à fouiller dans le Jurassique, tu vas en trouver beaucoup. Hein. Bah, c'est vrai, je prends... Oublions pas que des scientifiques, des paléontologues pensent. Enfin, pensait, parce que ça commence à changer depuis peu, très peu même, que le Crétacé était pas l'âge d'or des dinos, que les dinos étaient en déclin, qu'il y avait beaucoup beaucoup moins d'espèces qu'au Jurassique. Parce que au Jurassique, ça a explosé. Il y a énormément d'espèces. Et c'est en train de changer parce qu'ils se rendent compte que... Bah en fait, si, ils commencent à découvrir de pas mal d'espèces de dinos qui datent du Crétacé. Mais c'est depuis peu, hein. Y a un truc que j'avais parlé sur ma chaîne, où j'avais suivi un article, où ils avaient découvert, il y a des années de ça, des morceaux de crâne d'un tyrannosaure, aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, je crois. Et pour eux, c'était un T-Rex. Donc c'est resté comme étant un T-Rex, mais ils avaient très peu d'ossements.
Et depuis peu, ils ont découvert d'autres ossements de crâne, d'autres morceaux de crâne de ce dinosaure, qui s'avère que c'était pas un T-Rex. Par contre, c'est très proche d'un tyrannosaure, d'un T-Rex. Qui trouve des bénis sur la plage. Et en fait, il s'avère que c'était une sous-espèce du T-Rex, voire peut-être même l'ancêtre, parce qu'il a vécu quoi, 4 millions d'années avant le T-Rex, ils n'ont pas vécu ensemble. Il a vécu un peu plus au sud que le Tyrannosaurus Rex. Et en fait, ils sont en train de se dire que ce dinosaure pourrait être l'ancêtre, celui qui a donné le T-Rex quelques millions d'années plus tard, parce qu'ils sont identiques, hein. Quasiment même taille, à l'œil nu ça se voit quasiment pas. Ils sont énormes pour dire que même les ossements, pour eux, c'était un T-Rex. Et en fait, il a juste quelques points au-dessus du crâne qui font des différences notables paléontologiquement pour dire que c'est une autre espèce. Mais c'est très léger. Hein. Ils avaient fait un article que j'avais partagé sur le Discord et en fait, même là, ils se sont dit que c'est à partir de là, même là, que les paléontologues se sont dit en fait, les dinos étaient peut-être pas dans le déclin qu'ils pensent. Il y en a une devise plus présent que ce qu'ils pensaient. Et que ce dino, celui-ci, après on est au début des recherches, hein, il a été nommé, donc c'est bien une nouvelle espèce, pourrait peut-être révéler des secrets de comment le T-Rex est apparu. Mais ça pour dire que oui, si on fouille dans le Jurassique, dans le jeu Prior Extinction, il pourrait faire 2 à 3 maps aussi du Jurassique parce qu'il y a énormément d'espèces. Sinon, ça pourrait devenir foutoir. On connaît beaucoup plus du Jurassique que du Crétacé. Voilà. Mais je me souviens plus du nom de ce tyrannosaure. Je me souviens plus. Ils ont des noms à coucher dehors. Hein. Maintenant, à ce moment-là, les gens qui regardent ton live, ils s'abonnent. Discussion dark, mais non, mais c'est alors moi je l'explique mal. Après, il faudra le retrouver, mais vous pouvez rechercher après les termes scientifiques. Ouais. Mais je regarde des vidéos, je regarde Valeoraptor, je regarde aussi Entracte Science. C'est une vidéo, c'est un paléontologue qui le fait. Je regarde des graines de savoir aussi, je crois. C'est un paléontologue qui la tient. Et puis je regarde pas mal de conférences de paléontologues aussi. Bon, il y a beaucoup de choses que je comprends pas, hein, dans les conférences, mais mais j'apprends quand même des choses. Ouh, un Torvo. On est frères. Ouais, il est seul contre 3. Hein. En même temps. On va pas te chasser, gros. T'as eu le respect. C'est ça s'appelle le respect, ça. Après, attention, il est peut-être pas seul. Hein. Il est peut-être bien en avance par rapport à son groupe. Il y a peut-être d'autres torvos. Hein. Ils l'ont modifié ici ou pas la carte? Encore? Il nous suit le lin, Torvo. Non. Il nous suit? Ouais, il nous suit, ouais. Attends. Suit bien en plus. Ça marche, Toutra. Bonne nuit à toi et merci d'être passé en tout cas. Bonne nuit à toi. Qu'est-ce qu'il fait derrière nous? Ouais, il s'est retenu, il a fait un sprint comme nous. Sinon, je colle aggro, hein. Bon, reste bien. S'il nous reçut, je le l'attaque. Bon allez, on se retourne, on se barre. Il nous suit, on le défonce.
On est 3, hein. on est le nombre maximum. Hein. Oh, vous pouvez déjà avancer, je vais derrière. Ouais, bah de toute façon, il fera pas le poids contre nous, on est trop nombreux par rapport à lui, mais. On va où là? On a un passage, hein. Ah ouais, je vais monter une. Je sais pas, moi je. Ouais, y'a les nids là. C'est ça, et t'as vu que c'est pas des nids faits, c'est que des bases. Non. C'est de la terre. Et si tu regardes, y'a de la boue qui est placée pas loin. De la boue qui nous sert à rien. Bah c'est l'arbre un peu mort là-bas. Ouais, l'arbre couché. Et bah il faudra récupérer des branches, de la boue, des trucs dans le genre. Apparemment c'est ce vers quoi ils tendent. Même bah c'est Velocci qui en parlait. Hein. Les amis, je vous propose Vallée Verte et après on s'arrête, si vous voulez bien. Ouais, ça me dérange pas, parce que moi je vois l'heure. Je me réveille à 6h, donc. Soit Vallée Verte, soit on va à la petite plaine là, dégagée. Bah le plus proche c'est ça au-dessus là, on va au-dessus là, la petite zone bleue là. On se pose et puis on va s'arrêter, on va pas aller Vallée Verte, ça va loin. En effet, il est quelle heure? 1h30. On a joué énormément dans la journée les amis. Oui. Demain ça recommence. Il nous a pas suivi, hein. Je pense que le Colagro, il a compris que il fallait pas qu'il suive de trop. Ouais, bon allez, demain, toute la journée. Bah alors attends, oh regarde ce qu'il y a devant nous. Oh. C'est un ampélo ça. Hein. Oui. Et c'est pas le vieux celui-là. Non. Non, c'est le dernier. Ampélo, ça. Ah, c'est un apato. Un apato. Ouais. Il est grand. Celui-là, il est grand, ouais. Et je suis même pas sûr qu'il soit adulte. Mmh. Ah, il me paraît pas adulte, hein. Non, je ne pense pas. Non, il est pas adulte. Mais on va pas le tuer, hein. On va pas le tuer, hein, parce que... Non, il est pas adulte, mais parce que lui, il va nous faire très très mal. Ça sert à rien. Et ouais, c'est un apatosaure. Bon allez les amis, on se déco. On aura quand même fait 1h42 de patoff. On aura rigolé. On pense sur extraction. Hein? Je prendrai les récompenses d'extraction moi. Tu vas pas faire? Les récompenses. Faut qu'il dit. Les récompenses que tu gagnes dans les heures par jour. Ah, a priori. Ouais. Ah, tu vas les récupérer là? Ah bah oui. Comme ça c'est déjà fait pour. Ça c'est déjà fait pour aujourd'hui. Oh je les récupère. Bah, tu vois, tu auras des jours. Ouais, bah t'as raison, moi aussi je vais aller les récupérer. Moi j'ai toujours. Oh, y'a un carni là-bas aussi au loin. Trop tard, je suis parti. Comme ça. Moi, bref, comme ça, c'est fait. Nous les amis, c'était du Path of Titan. On était en Torvo. Sur ce, merci à toutes et à tous. La rediff sera sur ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Il y aura du Prior Extinction, peut-être sûrement du Fortnite, du Path of sûrement. Du flight sur mes simulateurs, très certainement. Tout ça, on verra pour demain. Sur ce, merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.